Il y a un contre à jouer pour ces Girondins avec Tremolinas côté gauche. Ouais, Tremolinas pour Obraniak qui remet à Tremolinas dans la surface de réparation. La frappe de Tremolinas, c'est dévié, c'est le but. Oh, c'est pas possible, c'est incroyable. Cette frappe du droit de Tremolinas qui a été déviée par un Lyonnais. Il me semble que c'est Bisevac en tout cas. Rémi Vercoutre évidemment ensuite a été pris à contre-pied. Et c'est l'ouverture du score pour Bordeaux. Alors ça c'est vraiment incroyable. Hein. Les Lyonnais qui dominaient en T+ cette partie. C'est en plus très bien joué là de la part des Bordelais et la talonnade d'Obraniak dans la course de Tremolinas qui va peut-être pouvoir centrer. Lazil qui laisse passer, Lovren qui se rate et Diabaté qui va marquer le deuxième but. Non. Le deuxième but bordelais avec une énorme erreur ensuite de Rémi Vercoutre. Et voilà, à 8 minutes de la fin, cette fois-ci, le match est terminé. L'OL va s'incliner sur sa pelouse et pour la première fois de la saison, l'OL qui est mené 2-0 après un centre là d'Obraniak. Lovren qui rate complètement son dégagement. Et ensuite, ça revient sur Diabaté qui met une tête qui lobe vers Coutre alors que le ballon n'est même pas en l'air.